Okay, I like it, want it, need it. I gotta have it, call me greedy. Just like magic, they don't believe it, no excuses. Ain't making no truces, ain't taking no losses, neither. All facts, no falses, keep them. Two chains, one cross, no demons. Hey, yeah, I got ways, what you say? I got pain, yeah. On my own, doing my thing, yeah. Oh my God, what you doing? Why is you lame? Hey, bring the pain. Hey, yeah. Black hair looking all stitchy, waist man make me itchy, glitchy, going too silly, really, 9 shots sent 250, and these cost 250, man shake, yeah, we get jiggy, bad little babe ain't vegan, chilly, on a wild run, how we get Ricky, you get me, all in the city, yeah, yeah, whole lot of winning, donc voilà, on a quand même tenu à faire le concert pour aussi rendre hommage à ceux qui sont partis et ceux qu'on n'a pas encore retrouvés. Donc ce sera une occasion de nous retrouver, d'être ensemble, de communier et de prier pour nos disparus aussi. Donc voilà, l'album sort dans 2 semaines, comme je vous ai dit. Ok, donc l'album sort dans 2 semaines, comme on vous a dit. On va vous jouer quelques titres en exclusivité. Donc le morceau qui arrive, c'est un morceau qui a été enregistré à la fois à New York et à Paris. Donc c'est un membre du groupe The Lox, qui s'appelle Stiespy. Nous sommes avec le propriétaire de Harper Service. C'est lui qui se cache derrière la sonorisation que vous pouvez écouter lors de cette release party. Et il est aussi l'un des plus grands promoteurs du pays, notamment grâce à la structure Ant Noba. Donc, monsieur Darlin Harper, que pensez-vous déjà de l'arrivée de Benjamin Epps, le fils du pays joue à domicile? Bah, c'est comme vous venez de le dire, le fils du pays joue à domicile. Moi, c'est une très bonne chose, justement, parce qu'il a su s'imposer du côté de la France et il s'est dit, bah écoute, je vais quand même venir dans mon pays pour donner un spectacle, pour donner justement ce concert-là qui aura lieu le 25. Parce qu'il y en a justement qui, une fois qu'ils se sont imposés à l'extérieur, bah, ils restent là-bas. Ils ne pensent plus forcément aux origines, mais lui, on voit bien qu'il est toujours attaché à son pays. À chaque fois dans les sons, il y a toujours Bellevue, même sur les t-shirts, Bellevue, voilà, Mocab et tout, et tout, et tout. Et donc, ça montre son attachement à son pays et je pense que c'est ce qui justifie sa présence ici aujourd'hui. Alors, en temps, il y a le concert qui est prévu samedi 25, d'accord? Qu'espérez-vous de ce concert? Qu'entendez-vous exactement? Niveau son, vous êtes très calé son. Qu'entendez-vous exactement de ce show-là? Bah, qu'il nous fasse son meilleur catalogue et surtout qu'il soit performant sur scène. Bon, moi, j'ai pas encore eu la chance de le voir sur scène, j'ai vu des vidéos. Donc, j'ai envie de le voir performer, voir ce qu'il est capable de nous proposer. Voilà, et donc c'est ce qu'on attend. On espère que le public répondra présent. Voilà, que le CCF soit plein et qu'ensemble on puisse faire la fête avec lui. Alors, on a vu sur l'affiche, il y a 3 artistes qui sont quand même assez calés au niveau hip-hop ici au Bled. Que pensez-vous justement de l'association des 3, donc Trice, Brodzeng et Bob Dylan pour le concert de samedi? Bah, justement, là encore, je dirais que c'est une excellente option de la part de Benjamin Epps. Justement, ça montre justement qu'il est toujours attaché justement au Gabon parce qu'il aurait pu venir faire son concert lui-même, il partait. Voilà, il a ses mamas ici, comme on dit, il a ses amis. Voilà, et donc il a voulu les associer justement pour dire aux gars que, bah, écoutez, je viens prester au Gabon, mais on a nos rapports depuis des années, bah, je veux que vous m'accompagniez. Je veux profiter de ce moment-là avec vous. Je pense que c'est le message qu'il est en train de vouloir nous faire passer. Et il n'a pas choisi n'importe qui. Ce sont des très bons lyricistes. Ce sont de très bons artistes. Donc Bob Dylan, tout le monde sait. Rodzeng, pareil. Bête de scène. Très sensé. Donc on s'attend justement à un très beau spectacle. On espère qu'il y aura une bonne symbiose. Et peut-être à la fin, un feat. On ne sait pas. Peut-être une surprise. On espère. Festival Musique Collaboration. Voilà, directement. Gabon Célébrité, nous sommes avec Trice Sauce Moutema, l'une des célébrités de hip-hop vert jaune bleu. Alors, Trice, vos impressions sur la release party? Donc alors, comme je partage à tout le monde et comme je le disais, on est dans une période de retrouvailles, dans une période de retour aux sources.
Et tout ce qu'on peut partager ici, c'est des bonnes vibrations, c'est un bon conduit. Voilà. D'accord. Alors, vous accompagnerez Benjamin Epps à l'occasion de son, de la sortie de son album, lors de son concert le 25, ce samedi. Qu'est-ce que vous... On sait que vous êtes l'un des artistes de la première heure, disons. Vous avez vu l'évolution de Benjamin. Qu'est-ce que vous, ça vous fait aujourd'hui d'être sur scène avec lui lorsqu'on sait qu'il n'était pas là, ça fait très longtemps qu'il n'était pas là. Vous, aujourd'hui, quelles sont vos impressions là-dessus? C'est... Comment je vais dire ça? Comme je disais, c'est un retour aux sources. Et nous, ça nous fait plaisir parce que ce parcours, on le connaît. Et donc le retour, on le reçoit avec une émotion assez forte. Parce qu'on y a cru et parce que ça s'est fait. Et à part célébrer, je ne vois pas ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on va célébrer le 25. Merci beaucoup, nous y avec Tricios Mutima, Yata Swatches. Hello les célébrités, nous sommes avec Ria. Coucou les gars. Alors, elle n'est plus à présenter, vous la connaissez, Ria. Bonsoir. Bonne arrivée déjà au Gabon. Oui, bien arrivée. Très contente d'être là. Attention, vous plaît. Oui, je découvre au fur et à mesure des jours le Gabon, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout insatisfaite. Ok. Ouais. Déjà, qu'est-ce que vous a le plus marqué là, sur le coup? Sur le coup, honnêtement, c'est le bien que le climat gabonais me fait. Voilà, c'est ce qui me vient en premier en tête. Ouais. La peau, les cheveux, le visage, la totale, j'adore. Alors, maintenant que vous vous sentez révigorée par le climat gabonais, okay, quels sont vos projets? Eh bien, j'accompagne l'équipe de Benjamin. Benjamin, oui. Oui. Donc, je fais partie des effectifs. À côté de ça, il y a des petites sauces qui se préparent. Je ne vais pas tout vous dévoiler, bien évidemment, mais restez branchés. Un petit peu. Un petit peu. Bon, allez. Ce que je peux vous annoncer, c'est ce que j'ai déjà déclaré sur ma chaîne YouTube. Je vlog sur le Gabon et ce que je fais actuellement. Ça vous va? D'accord. Donc, les célébrités, vous avez capté. Rendez-vous sur sa chaîne YouTube. Yes. Oh my Ryan. Encore. Oh my Ryan. Yes, c'est dans la boîte. Gabon Celebrities, nous sommes avec Epsito, the best. C'est bon, tout le monde a confirmé. Voilà la preuve, son billet, hein. The best. D'accord, Benjamin, bonne arrivée déjà. Le fils du pays joue à domicile. Vos impressions déjà sur la release partie? On peut se tutoyer. Bah écoute, c'est très bien, j'ai pu communier avec tous mes proches, tous mes amis, tous mes frères. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. On est encore là, je pense qu'on va rester là encore une ou deux heures. En plus, essayer d'échanger avec les frères, prendre des photos, boire un verre et puis après tout le monde va rentrer. Mais je suis content d'avoir rencontré mes gens. En parlant de vos gens justement, on a vu Trace, on a vu Bob Dan, on a vu Rod Zeng, Scarface, Ndoman. Ouais, Scarface c'est pour les anciens. C'est pour les anciens. Donc, ils vont vous accompagner sur scène justement. Ils seront là, ouais, ils seront avec moi samedi. Ils seront avec moi samedi, ouais. L'idée c'est vraiment que ce soit une grosse fête pour célébrer le BET Pop Awards et la sortie de mon premier album aussi. Ouais, donc j'ai tenu à ce que mes gars soient là et voilà, je suis content, tout le monde est là, tout le monde est content, donc ça fait plaisir. On va rappeler le titre du projet. Titre de l'album, La Grande Désillusion, ça arrive bientôt, on est sur les derniers détails là, normalement. Merci, c'était Benjamin Epps, avec Gabon Celebrities. Peace. Yeah.